Je vais vous raconter une histoire qui se passe il y a fort longtemps, dans les années 1800. Imaginez le sud de l'Espagne. Un après-midi d'été, le soleil, la chaleur. Sur la place de Séville, devant la caserne, nos soldats s'ennuient. Midi. C'est l'heure de la pause des ouvrières. Les ouvrières prennent leur pause vers midi pour aller déjeuner. Les soldats se pressent pour aller les observer. Une de ces ouvrières, une gitane à la beauté sans nom, se nomme Carmen. Tous les soldats n'ont Dieu que pour elle. Carmen ! Carmen, sois gentille, au moins réponds-nous. Et dis-nous, quel jour tu nous aimeras? Quand je vous aimerai? Je ne sais pas. Peut-être jamais, peut-être demain. Mais pas aujourd'hui, c'est certain. Notre seul père, et c'est l'autre que je prends.
Carmen est arrêtée, ici, et on est en prison. Thank you.
Et santé! Dans le bois, Carmen entend que Don José vient d'être libéré. Perdue dans ses pensées, elle n'écoute plus rien. Elle se lève, puis se met à chanter et à danser. Thank you.
Carmen, il tente de la séduire, mais Carmen se moque de lui. Petit à petit, la taverne se vide. Il ne reste plus que Carmen et ses compagnons brigands. Nous avons en tête une affaire. Une bonne affaire. Elle est admirable, ma chère. Mais nous avons besoin de toi. Nous l'avons humblement quand il s'agit de tromperie, de duperie, de volerie. Il est toujours bon d'avoir des femmes avec soi. Alors, tu partiras avec nous? Permettez. Partez. Mais moi, je ne suis pas du voyage. Je ne pars pas. Et pourquoi? La raison, c'est qu'en ce moment... Eh bien, bien. Je suis amoureuse. Amoureuse à perdre l'esprit. Et puis quoi? Soudain, qui voilà? C'est Don José, toujours fou amoureux de la belle Carmen, qui se hâte de venir la retrouver. Les joies des retrouvailles se transforment rapidement en querelles. Don José est jaloux. Alors, tu dansais tout à l'heure avec des officiers? Pour lui redonner le sourire, Carmen l'entraîne dans une danse. Au loin, on entend une sonnerie qui appelle les soldats à la caserne. Don José doit rentrer. Carmen se fâche, lui dit qu'il l'abandonne. Alors, par amour pour Carmen, il décide de rejoindre le camp des brigands. Décidément, tu n'es pas fait pour vivre avec nous. Chut, Lou
et chiens ne font pas longtemps bon ménage. Carmen lui avoue ensuite son amour pour Escamillo, le toréador. Don José est fou de jalousie. Il s'en va, la laissant à son nouvel amour, mais en promettant qu'il se reverra. Carmen lit les cartes pour lire son avenir et découvre que les cartes ne lui prédisent que la mort, seulement la mort. Mais
que Don José est là, dans la foule. Et Carmen n'a pas peur. Je ne suis pas femme à trembler devant lui. La foule prend gentiment place dans l'arène, tandis que Carmen tombe nez à nez avec Don José. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je te promets de faire tout ce que tu voudras. Laisse-moi tranquille. Suis-moi. On ira où tu voudras. Je ne te suivrai pas. Je ne t'aime plus. J'aime ça mieux. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne te laisserai pas ruiner notre histoire. Tu es tout ce que j'ai. Tu es à moi. Jamais Carmen ne cédera. Libre elle est née, libre elle mourra. Don José s'avance vers elle et la tue.